Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo super courte, super simple, juste pour exploiter en fait du vocabulaire musical. Simplement une petite différence, une petite connotation en fait entre la fondamentale, la tonique. C'est juste donc pour vraiment vous apporter une précision, j'ai envie de dire ludique et exacte, surtout sur donc, le langage musical. On emploie souvent, et même moi le premier, pour faire simple et pour pas en fait vous ou s'apporter dans un amalgame. Mais donc là, aujourd'hui, je vais redonner l'élément qui est quand même réel, c'est important de le dire, qui est en fait de faire donc, la connotation entre la tonique et la fondamentale, c'est-à-dire de faire en sorte de prendre ça comme un synonyme. On dit souvent que la tonique et la fondamentale, c'est la même chose. Alors c'est vrai et c'est faux. Alors, je vais entrer plus précisément dans le détail en vous donnant directement la définition. Et puis voilà, vous allez voir que c'est pas très compliqué. Donc en fait, votre tonique, égale fondamentale. Alors, c'est vrai dans le sens où quand on parle de ça, on parle de la même idée, c'est-à-dire la note de référence, c'est-à-dire la note de base qui va donner donc en fait la tonalité soit de votre accord ou soit de votre gamme. Donc effectivement, dans cet encadrement, j'ai envie de dire, effectivement, là, dans cet aspect-là, dans cette vision-là, oui, on pourrait dire effectivement que c'est la même chose. Mais malheureusement, si vraiment on veut faire quelque chose de littéraire, hein, si vraiment on veut jouer les casse-couilles, c'est pour ça que je vous l'explique vraiment la différence, c'est faux. C'est-à-dire qu'en fait, réellement, dans le vocabulaire musical, tel qu'un conservatoire, par exemple, on vous apprendrait les choses suivantes. On vous dirait qu'une fondamentale, elle est fondamentale puisqu'en fait, sans elle, il n'y aura pas de nom. Et il n'y aura pas de nom dans quoi? Il n'y aura pas de nom dans un accord. C'est-à-dire qu'en fait, la fondamentale sera toujours exploitée, littérairement, musicalement, pour un accord. Ce qui veut dire que si... Donc je mets accord avec S pour mentionner plusieurs accords. Donc, ça veut dire que si vous exploitez, vous partez sur une triade, majeur, mineur, peu importe, on s'en fout, donc accord parfait, vous parlez en premier lieu d'une fondamentale, d'une tierce et d'une quinte. Voilà, c'est vraiment le vocabulaire musical adéquat. Ensuite, pour ce qui est de la tonique, mais en fait, la tonique, on va exploiter le mot, donc le vocabulaire tonique, dans tout ce qui va être gamme. Puisque dans une gamme, ce qu'on va venir rechercher, c'est la tonalité de votre gamme. Donc ça va être la première note. D'accord? Vous pourrez également retrouver donc, le mot tonique dans tout simplement eh bien, les degrés et fonctions de vos gammes. Et oui, puisque tout simplement, quand vous avez parlé en fait de tonique, de sustonique, de médiante, sous-dominante, etc., eh bien en fait, donc, par rapport à ça, par rapport aux différents degrés, si vous voulez, le degré 1 sera mentionné de tonique, puisque la tonique va donner donc la tonalité de la gamme. La fondamentale, elle, son boulot, ça va être de donner le nom à l'accord. Sans fondamentale, eh bien, il n'y a plus d'accord. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, retenez que fondamentale utilisée pour les accords, tonique utilisée pour les gammes, que je mets également au pluriel. Voilà. Voilà pour cette petite précision musicale. Rien d'extraordinaire sur ça, simplement donc pour votre culture, on va dire, générale, basée sur la musique. Si vous avez des questions, comme d'hab, je reste dispo. Tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, YouTube, cliquez sur j'aime si vous avez apprécié d'avoir cette petite précision, si ça vous a appris quelque chose, n'hésitez pas à laisser un commentaire et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Allez, ciao!